il y a des événements qui ne vous laissent pas indifférents. Celui que nous avons découvert au départ de Toulon en fait partie. Cette épreuve possède dans son ADN quelque chose de spécial, un caractère unique, un caractère que nous allons tenter de comprendre avec un objectif simple, devenir un vrai pilote dans les traces du mototour. Pour notre formation, il nous fallait un guide, un parrain, expert de la compétition et de la moto, un certain Dominique Sarron. Le mototour, ça se passe sur une semaine de compétition. Donc c'est des parcours routiers avec des liaisons, un petit peu comme le Monte-Carlo. Et au niveau des parcours routiers, il y a des spéciales chronométrées. Et après, il y a aussi des épreuves sur circuit, et notamment le circuit d'Issoire cette année qui est en Auvergne. 3000 km au total, le challenge est dur. Alors pour le relever l'année prochaine, il nous a confié le roadbook du mototour avec des conseils. Chaque jour, comme nous, vous en saurez plus pour mieux vous préparer. En guise de mise en bouche, les pilotes du mototour vont parcourir trois spéciales chronométrées. Direction l'arrière-pays toulonnais, près du Mont Faron. Il y a de quoi se faire des frayeurs dans la spéciale que nous avons suivie. Nous sommes sur les routes de Mazaugues, des paysages à couper le souffle. Pas sûr d'ailleurs que les pilotes aient le temps de l'admirer. Kilomètres au total où les concurrents se testent, s'échauffent entre épingles et passages rapides. Certains s'observent déjà pour la victoire. Lionel Richier va s'imposer pour cette première journée qui a séduit tout le monde. Des belles routes de liaison, une spéciale Mazaugues glissante mais sympa aussi. Non, vraiment une belle première étape, vraiment très 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 agréable. J'ai fait un tout droit dans la spéciale, j'ai freiné un peu tard. Ah ouais, quand même, alors qu'on a même pas fait 5% du parcours. C'est ça. Donc c'est une petite mise en bouche, c'est peut-être un avertissement pour la suite. Et la suite s'annonce compliquée. Il est temps pour nous de découvrir le premier conseil pour piloter, le roadbook. Pas simple de le suivre tout en conduisant. Il faut le découper page par page, l'enrouler sous forme de fiche, un système artisanal. Alors certains ont trouvé beaucoup plus simple avec une tablette. Là à l'intérieur, j'ai toute ma semaine de roadbook. Je peux choisir le roadbook que je veux. Donc ici, je vais avoir la journée 2, donc c'était dimanche 2. La version 3, parce qu'il y a eu plusieurs versions tout au long du roadbook. Et le nombre de kilomètres total de la journée. Je vais le choisir, par exemple le dimanche, je vais aller à et il va charger automatiquement le roadbook. Le temps passe vite à Toulon, la nuit tombe, direction l'étape marathon, 900 km à parcourir, 17 heures de roulage, l'étape la plus dure du mototour. Autant vous le dire, tout de suite, l'épreuve marathon demande une préparation particulière. Le départ se fait de nuit et chacun a sa petite astuce pour tenir. C'est le secret pour réussir une étape marathon, le riz au curry. Ouais, le riz au curry, c'est pas mal. Ouais. La dernière fois, on a vu pas trop de chorizo. Cette fois-ci, on a dit c'est pas possible. Ben, on a des copains le long de la route qui vont nous faire l'assistance. Et... On n'est jamais orphelin partout où on aille. Il y a des locaux qui nous apportent à manger, à boire. À... Il ne faut pas partir tout seul, donc c'est plutôt conseillé de partir à plusieurs. Et on s'arrête, on va faire de l'essence au bout de 180 km. Et puis ensuite, on aura une assistance. Et si à l'assistance, on est un peu fatigué, et ben on se reposera. Sinon, on continue, voilà. Voilà, tout est dit. Le premier départ est donné vers 20h. Objectif Boulazac. La route est longue, il ne faut pas s'endormir. Pas simple de le suivre d'ailleurs. Pourtant, au hasard d'une route, nous avons croisé quelques pilotes en plein milieu de nulle part. Je me fais attaquer par des chiens. On pourra demander à l'agu. Les enfants, je me fais attaquer par des chiens. Son pilote, c'est mon fils. Il a des yeux, lui.
Un poisson pilote pour suivre le roadbook de nuit, pas bête. Nous avons bien essayé de le suivre, mais de toute évidence, on était fatigués. Et la fatigue, parlons-en, 10 heures de roulage dans les bras, il y a de quoi se mélanger les pinceaux, question navigation. Petit café pour grosse étape. Petit café pour finir cette grosse étape, ouais. Ça va pas être facile, mais on va le faire. Sur cette étape, je crois qu'il y a 500 et quelques cases. Vous arrivez à côté de ça. Voilà, donc pour toutes les lire correctement, en pleine nuit, avec le brouillard humide hein, sur la visière, sur le roadbook et tout, c'est compliqué, il faut essuyer, il faut mâcher. Donc on s'est relayé un peu toute la nuit. À 10h, les assistants, vin rouge et saucisson, gros plan. Il y a une grosse préparation chez vous. Hein. Attention, ça fait ça dans les règles de l'art. Hein. Bref, c'est un peu une colonie de vacances en pleine épreuve. Les kilomètres défilent au milieu des paysages de l'Aveyron. Ils défilent parfois trop vite d'ailleurs. Certains pilotes oublient même de s'arrêter au point de contrôle. J'ai pas vu le contrôle parce que... je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que peut-être je suis parti à 9h30 hier et que j'ai pas dormi. Peut-être ça la raison. Voilà, après 17 heures de route, on atteint les alentours de Périgueux. Dernier virage à négocier pour arriver à Boulazac, deuxième ville étape du mototour. La nuit était très compliquée, très dure la nuit. Et là, en arrivant autour d'ici, ils avaient bien fait les choses, c'était piégeux, il fallait pas se bourrer. Et puis j'ai mal partout, quoi, j'en peux plus. Donc j'ai fait 5 motos tours, j'ai jamais connu un truc comme ça. Troisième jour déjà sur le moto tour, il est temps pour nous de découvrir un nouvel indice, le choix de la moto. Alors, que choisir chez Yamaha pour faire le moto tour? Pour faire le moto tour, en tout cas pour le faire et même peut-être pour le gagner, une MT10, c'est vraiment l'arme qu'il te faut. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est en fait, si tu veux, c'est la R1 de base en fait, sans les carénages avec un grand guidon. C'est une moto assez sportive. Pourtant, d'autres pilotes ont choisi des modèles plutôt surprenants. Chez BMW, on a sorti le scooter pour une raison très simple. Le scooter sans variateur, c'est beaucoup plus facile qu'une moto. On s'embête pas à passer les vitesses, tout se passe automatiquement et effectivement, c'est beaucoup moins fatigant. Alors, il y a quand même d'autres engins sur le moto tour. Vous êtes sérieux, vous faites le moto tour en sidecar? On le fait sérieusement. Oui, 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 c'est un plaisir. C'est, contrairement à la moto où c'est un peu solitaire, le sidecar c'est un sport d'équipe. Donc on se partage les tâches et les résultats sont en fonction de la cohésion de l'équipage. Le petit singe là, il doit en prendre plein la tête quand même. Au début oui, quand on commence. Puis après, on est à sa place au bon moment et du coup on ne force plus. On ne force plus, il faut vraiment jouer avec la force centrifuge pour être positionné au bon moment, au bon endroit. Voilà, tout le monde est déjà reparti. Nous les rejoignons sur la route pour un exercice plutôt compliqué, la base chrono. La difficulté, c'est que les pilotes ne connaissent pas la longueur de la base chrono. Ils sauront quand ils sont sortis de la base chrono, mais ce n'est pas forcément au panneau sorti de base chrono que le chrono sera pris. Et donc, entre le départ et le chrono, on va prendre la moyenne de 55 km/h. Celui qui est proche n'est pas pénalisé, celui qui s'en écarte, en plus ou en moins, est pénalisé lui aussi. Pour ne pas être pénalisé, chacun a son astuce et son petit matériel. Tout petit compteur de vélo qui m'affiche juste la vitesse réelle et surtout le kilométrage précis, étalonné comme il faut. Et ensuite on suit au roadbook les cases, les directions à chaque fois. On essaye de ne pas se perdre dans la base chrono surtout, c'est important. Sinon on va prendre beaucoup de retard et beaucoup de pénalités.
La moyenne à respecter, 55 km/h. La tâche n'est vraiment pas facile. Deux basses chrono dans la journée, un rythme plutôt soutenu, pas de relâche sur le mototour. Les organismes commencent à souffrir, on calcule, on s'interroge. À la fin de l'exercice, tous ne sont vraiment pas convaincus de leur régularité. Dans la première basse chrono, je me suis un peu raté, j'ai fait un petit détour et du coup j'ai fait un peu au pige pour revenir et je prends un petit peu de pénalité, je prends une seconde 4. Et dans la deuxième, tout s'est bien passé, je passais à 0. Je crois que j'étais à 3 ou 4 secondes du temps idéal, donc parfait quoi. Le repos est maintenant bien mérité, il sera court. Les motos partent à l'assistance pour une cure de jouvence. Les pilotes, eux, ont déjà l'esprit ailleurs, tourné vers les spéciales fermées du lendemain. Le mototour traverse décidément des paysages uniques. Les alentours du Puy-en-Velay en font partie, on pourra les admirer plus tard. Il est temps de découvrir le troisième conseil, l'équipe. En solo ou en duo, chacun fait comme il veut. Lionel Richier, lui, court seul, mais le leader actuel est bien accompagné. Je suis avec ma chérie, en fait, qui me fait l'assistance. Donc en fait, elle a un camion, elle me suit avec un camion pour me faire tout ce qui est ravitaillement de l'essence, tous les besoins que je peux avoir. Nourriture, ravitaillement à l'essence ou ce que je peux avoir besoin. Et après voilà, on est juste avec une structure comme ça légère et la mécanique à faire le soir et tout, là c'est moi qui m'en occupe. Moi je viens ici sur une course comme ça pour essayer de gagner, on a préparé ça au mieux pour arriver à ce résultat là et oui, c'est pas fait pour faire que du tourisme quoi. Pour la nouvelle formule duo, c'est un peu différent. L'objectif est de se faire plaisir. Andrea et Grégory jouent d'abord sur leur complémentarité. Moi, je pilote et je cherche la trage, je cherche où il faut passer. On ne connaît pas toutes les spéciales, donc je cherche vraiment tous les points de corde, les virages qui se referment, etc. Et puis, Andrea a un second rôle derrière. Moi, je fais le poids donc, pour pencher dans les virages, comme le sac, hein, mais du coup, je mets du poids. Et du coup, je mets de l'angle pour faire pencher la moto correctement dans le virage, qu'on prenne les bons angles. Et elle va avoir du temps pour le faire. 500 km de liaison nous attendent maintenant, depuis Boulazac, en passant par le Cantal et ses reliefs presque surnaturels. On se sent libre. Guidon en main, la moto paraît plus légère. On pourrait presque simplement se sentir pousser des ailes. Pourtant, il faut vite redescendre sur le plancher des vaches. 4, 3, 2, 1, go. La forêt de la voûte sur Loire en tremble encore, autant vous le dire tout de suite, quel que soit le niveau de pilotage, ça roule fort. Parfois trop. À la fin de la journée, en direction du Puy-en-Velay, il y aura d'ailleurs quelques abandons, mais rien de grave pour la suite de notre aventure de plus en plus physique. Je suis un peu fatigué quand même, on a bien roulé aujourd'hui. Ils nous avaient dit 500 bornes, mais ils sont là. C'était assez épuisant, il fallait être très rapide pour rester dans les temps. Il va falloir se reposer ce soir, vraiment. On va repartir avec un peu de puissance pour demain, pour le circuit. Mais j'ai hâte d'être dans mon lit, vraiment. Il faudra quand même vite se lever pour le circuit à Issoire et découvrir notre quatrième conseil, le physique. Est-ce qu'il y a une préparation physique particulière pour faire le mototour ? Oui, il faut se préparer physiquement, donc en salle de sport, vélo, natation, c'est bien pour avoir la condition donc sur une distance aussi longue que les 3300 km et une semaine de course. Et le plus important, c'est l'alimentation et le sommeil. Dès qu'on peut, il faut se reposer, il faut dormir et bien se nourrir de temps en temps. Il ne faut pas manger des grosses quantités, mais de temps en temps manger et surtout boire de l'eau, dégorger de temps en temps. Pas de temps à perdre, on s'est mis à l'exercice à notre manière. Les conditions météo sont compliquées à Issoire, il fait froid, on frôle le 0 degré, il faut se couvrir tout en préparant sa moto pour la piste. Les pneumatiques souffrent aussi, changement d'adhérence, usure, pas facile de trouver les bonnes gommes pour parcourir l'ensemble du mototour. Est-ce qu'il y a un pneu parfait pour faire le mototour ?
Alors malheureusement, il n'y a pas de pneu parfait. Il y a un pneu parfait suivant certaines conditions. Voilà. Donc ce qui est compliqué au mototour, c'est que les conditions sont changeantes et les utilisations sont aussi changeantes. On a de la route, on a des spéciales et on a du circuit. Le meilleur compromis pour tout, c'est le Conti Sport Attack 3. Voilà, il va très très bien sur route, il est bien aussi sur circuit, et pour les spéciales, il a l'avantage de pardonner énormément de choses. Pourtant, les pilotes n'auront pas le droit à l'erreur à Issoire. Deux bases de roulage, plutôt sprint pour la première histoire de s'échauffer, plutôt endurance pour la seconde pour s'illustrer une sortie éprouvante, 40 tours à parcourir où Lionel Richier va encore une fois le plus s'illustrer. L'objectif est avant tout de se faire plaisir et surtout de ramener la moto intacte, la route est encore longue. Retour en Puy-en-Velay, derniers instants à vivre ici pour le mototour, l'occasion de prendre des nouvelles, recueillir quelques réactions après cette journée vitesse. J'ai voulu un petit peu accrocher le wagon de devant, les deux premiers pilotes, et j'ai raté un repère de freinage et c'est vrai que du coup, j'ai fait tout droit dans les graviers et je pense que là c'est l'expérience un peu de cross qui a parlé, j'ai échappé la chute de pas grand chose. Aujourd'hui, je fais plus de compétition, donc c'est la semaine de vacances de l'année. C'est pour ça que je viens participer, pour l'esprit, pour les balades. Et en plus, c'est vrai que ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant, donc c'est génial. Il faut maintenant reprendre des forces au bivouac. Un repas chaud va suffire, une courte nuit de sommeil. Vous allez le voir, le réveil est parfois compliqué. Monsieur, vous auriez bien, comme moi, dormi une ou deux heures de plus. Carrément, ouais. En plus, avec le froid d'hier, une petite nuit au chaud, ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, c'est reparti, hein. Il faut y aller. Hein. Maintenant, il y a pas mal de bornes encore jusqu'à Nice, donc faut se lever, et puis c'est reparti, on mange un coup, un café. On a peut-être oublié de vous préciser, il est 6h30 du matin. Dans quelques heures, nous serons à Nice. Autant vous le dire, comme le paysage du mototour, on est dans le brouillard. Les virages s'enchaînent pour cette nouvelle journée de basse chrono. Il faut encore calculer et surtout lutter contre la fatigue. L'épreuve marathon, plus de 700 km de balade à parcourir pour arriver de nuit sur une autre promenade, celle des Anglais. Quoi de mieux que la Côte d'Azur pour le dernier jour de l'épreuve? Il nous reste très peu de temps, même pas une baignade. Il faut finir notre formation. Dernier conseil, découvrir un esprit, l'esprit mototour. L'esprit, c'est se rassembler autour d'une même passion, que ce soit un utilisateur du quotidien, que ce soit un utilisateur qui roule beaucoup, quelqu'un qui va juste au boulot avec sa moto. À un moment, ils ont envie de se regrouper, de partager la même passion, la même discussion, tout autour d'une épreuve qui est quand même assez compliquée et qui devient mythique, c'est se surpasser un peu. C'est avant tout le partage entre pilotes de la même aventure. Donc le soir, quand on se voit, on se raconte, t'as vu sur la route, on vit la même chose pendant une semaine. Et c'est vrai que quand on repart, on a plein d'émotions et on pense que moto pendant une semaine. Et voilà, c'est vraiment ça l'esprit mototour, c'est l'entraide, on discute avec tout le monde. Il n'y a pas de top pilote, de professionnel, d'amateur. En fait, on est tous réunis sous cette compétition.
Cette grande famille va bientôt se séparer alors sous les rayons de soleil de l'arrière-pays niçois, histoire de frissonner encore, le dernier menu s'annonce salé. Les pilotes, encore debout, vont découvrir les spéciales les plus cassantes du parcours. Épingles, gros freinage, les motos sont soumises à rude épreuve dans les passages de Valberg. Pourtant, ils vont devoir faire face à un autre géant tout aussi mythique, le Turini. Encore un petit effort avant d'atteindre l'objectif ultime, finir. Toujours heureux d'arriver, pas avoir fait de conneries, pas de chute. Et là, c'était pas mon premier moto-tour et on voit quand même que c'est toujours plus facile un deuxième ou un troisième plutôt que le premier. Le premier est toujours très dur. Là, on se prépare un peu mieux. Le routier, c'est très fatigant, on sous-estime souvent, mais à la fin, c'est que du bonheur, quoi. Je suis content que ça soit terminé, mais en même temps, voilà, c'est une aventure, ça fait chier que ça se termine aussi. Donc, ouais, je sais plus ce que je veux, là. Là, j'ai juste envie de dormir, là. C'est quoi le premier truc que tu vas faire en rentrant chez toi ? Faire un gros bisou à ma femme et la prendre dans mes bras, et ma fille aussi. Même pas, tu vas dormir ? Je vais d'abord serrer ma femme dans mes bras, ça c'est sûr. Ouais. Elle me manque. Avec la présence. Voilà, l'aventure s'achève en beauté, surtout pour Lionel Richier. Salué par Christian Estrosi en personne, il remporte tout et ajoute une nouvelle page à son livre de victoire, celle du Moto Tour 2016. Voilà, le Moto Tour 2016, c'est fini. Quant à moi, je sais comment devenir un bon pilote pour l'édition 2017 et j'ai la moto.